Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance. Azaf, que se passe-t-il, mon fils? Qu'est-ce que tu as? Elle dit qu'elle est enceinte. Elle dit qu'elle est enceinte, maman. Tu te rends compte? Mais de qui parles-tu, Azaf? Laurie. Mais c'est impossible, Azaf! Toi et moi savons que tu ne peux pas faire d'enfant. Justement là le problème. Et d'après elle, c'est moi le géniteur. Si tu savais tout. Tout quoi? Laisse tomber, maman. On a un problème. Elle dit qu'elle est enceinte. C'est pas possible. Mon fils, que comptes-tu faire maintenant? Comment ça, qu'est-ce que je compte faire? Tu veux dire que tu vas m'abandonner dans cette merde? Mon fils, nous allons creuser cette affaire. Mais dis-moi un peu. Laurie est-elle au courant de ton état? Non, elle n'en sait rien. Quoi? Oh mon Dieu! Mais ça veut dire qu'elle a un amant! Un amant qui l'a mise en scène! Oh! Et toi, comme un idiot, tu n'as rien vu venir! Ça suffit, maman! Ne rajoute pas, s'il te plaît. Dans ce cas, monsieur,
tu vas te contenter de donner le nom. Comment va la plus belle femme de ce continent? Elle va à merveille. Et comment va le plus beau mari du monde? Comme un ange. Bébé, je n'aime pas te voir t'évertuer autant. On dirait que nous manquions de moyens. Écoute, trouve-toi une ménagère qui va t'aider dans les tâches domestiques. Toi seul, tu fais ci, tu fais ça, au point de ne même plus avoir un seul petit temps pour moi. Mais qui t'a dit que cela m'empêchait de m'occuper de toi? La nuit dernière, par exemple. Tu n'as presque pas dormi. Tu étais plutôt agitée. Et le matin, au lieu de rentrer immédiatement à l'hôpital pour savoir ce qui ne va pas, tu te plonges directement dans le ménage. Chérie, on ne va pas à l'hôpital n'importe comment. Il faut d'abord attendre un peu. Et ça doit être les effets secondaires du médicament que Dr. Williams m'a prescrit. Non, non. Je n'en suis pas si sûre. Je préfère que tu te rendes à l'hôpital pour te faire consulter. C'est pas la peine, bébé. J'insiste. Ok. À vos ordres, monsieur le commandant. De rien, madame la gouvernante. Je t'aime plus que tout. Moi aussi. Hé, hey, arrête! Tu aimes bien ça, toi. Toi qui vis là-bas, dans une grande maison. Un bon boulot, un joli bureau, tu as tout à tes pieds, tu ne manques de rien. Maître, j'ai fini le dossier de Monsieur Njoya. C'est bon, transmets-le immédiatement au cabinet de Maître Steve Photo. D'accord, Maître. Monsieur Karl Kézembo est là. Faites-le entrer. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur Kézembo. Asseyez-vous ici. Merci. Vous arrivez un peu plus tôt que prévu. Notre rendez-vous était pour 11 heures. Exactement, maître. C'est qu'il y a un nouvel élément que je souhaitais vous communiquer. Lequel? Le plaignant ne sera pas au tribunal comme prévu. Ça, c'est plutôt à notre avantage. Ça équivaudrait à un désistement de sa part. Je préviendrai immédiatement le ministère public et je crois que rapidement on va trancher votre affaire. C'est parfait, maître. Vous voyez? Les gens traduisent le semblable au tribunal, mais ne sont pas en même d'apporter les preuves qui les incriminent. C'est dommage. Vraiment dommage, maître. Oh. Heureusement, tout est bien qui finit bien. Bien, maître, je ne vais pas vous retenir pour longtemps. Je sais que vous avez des tas de dossiers. Ah, c'est gentil d'être passé. Merci, très bonne journée. Merci, maître. Vous demain. Merci. Docteur William. C'est Docteur William. Écoute. Bonjour, Docteur William. Maître Aya peut-être sonne à l'appareil.
Bonjour, comment vous vous portez? J'appelle pour vous prévenir que tout se passe exactement comme prévu. Son départ, c'est pour le 28 de ce mois. Je le serai encore plus si tout se déroule exactement comme prévu. Comme si c'est vous qui le dites. Passez une très bonne journée. Merci à vous. Alors, comment était ta journée aujourd'hui à l'école? La méga, c'était pas là. Ok. Comment ça? Parce que ça a dit qu'elle a eu deux. Oh non. D'accord. Tu vas te changer. Et j'arrive. Allez. Comment était la journée, Dodo? Bien, ma perle. Dis-moi. Tu es allé voir le médecin comme prévu? Oui. Et? Et? Tu me donnes quoi en échange? Oh, s'il te plaît, ne me fatigue pas davantage. Ok. Tu vas te changer et je te dirai après le repas. Non, non. J'insiste, madame la gouvernante. Dis pas que... Eh oui. Oh non. Mon Dieu. Que tu es merveilleux. Allez, viens là. Allez. Il vit là-bas, dans une grande maison. Un bon boulot. Un joli bureau, tu as tout à tes pieds, tu ne manques de rien, mais tu n'as point d'enfant. Tu passes ton temps à faire souffrir les enfants des autres ainsi que leurs parents. Pourquoi, pourquoi tu passes ton temps, tu passes ton temps à adopter? J'espère que tu n'as rien oublié. Je n'y pense pas. Vérifie quand même. Ton billet d'avion, ton passeport. C'est la dernière fois que tu m'as beaucoup fait marcher. Ne t'inquiète pas chérie, j'ai pris tout ce qu'il faut. D'accord. Tu ne m'as toujours pas dit combien de temps tu vas faire là-bas. Ça, je ne sais pas. Tu sais, c'est un projet d'études. Mm-hmm. Et compte tenu des aléas du temps, ça risque de durer. De toutes les façons, je ne vais pas rentrer de si tôt. Je ne supporterai pas de te savoir si loin de moi.
Ah, si jamais tu t'ennuies, on va rester chez ma mère pour un moment. Ok, j'ai compris. Tu fais un très bon voyage. Merci. Madame Anderson? Oui, docteur. Votre bébé se porte à merveille. Ah, merci, docteur. Mais qu'à cela ne tienne, je vais vous prescrire un régime à suivre. Ok, docteur. Chantal. Ouh là là, Pauline. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ah, je vais bien. Tu as pensé à moi aujourd'hui? Ah, bien sûr. Apparemment, il y a eu un rêvage. Hein? Comme tu peux le constater. Ah oui. Prends place. Merci. Mais Chantal, tu as poussé le bouchon cette fois-ci très haut, hein? Ah oui. Il le fallait, quoi. Mince. Ça alors? Tu as de très belles paires de chaussures. Ouais. Ça, c'est des jolis vêtements par-ci. Mm-hmm. Tu as vu les sacs? Et celui-là, surtout le blanc. Je te le laisse à 60 000 francs. Mais Chantal, même à moi, ta copine? Justement, c'est pour ça que je te le laisse à 60 000. Il coûte 70 000. D'accord, laissons tomber. Oh. Tu n'as pas un article pour enfants? Le fils de Marcel a son anniversaire demain. Je voudrais lui offrir un cadeau. Ouh là là! Qu'est-ce qui devient ce dernier? Parce que Marcel se fait tellement remarquer des autres. À 17 ans, il a déjà deux enfants. Oh. Celui-là, il va seulement me tuer. Parlant des enfants, ça fait longtemps que je n'ai pas eu les nouvelles de tes enfants. Comment vont-ils? Oh, ma copine, ouais. Laisse-moi comme ça avec mes enfants. Ida et Dora sont en Hongrie. Elles se sont mariées là-bas et ne comptent pas revenir un jour. Quant à Hendrik,
celui-là, je ne sais pas s'il est homo ou hétéro. Figure-toi que je ne l'ai jamais vu avec une femme. C'est un irresponsable confirmé. Vraiment, les enfants. Ils ne nous donnent jamais ce qu'on attend d'eux. Et Azaf, ton cœur. C'est mon chouchou. Je sais que tu l'as toujours préféré par rapport aux autres. Ah ouais. Combien d'enfants a-t-il déjà? Je dirais un. Mais Chantal, ne te fais pas de soucis. Ils ont tout le temps pour en faire les autres. C'est bon, on en a assez parlé des enfants. Parlons de nous maintenant. Dis-moi, tu comptes retourner au Ghana dans combien de temps? Dès l'arrivée de Azaf, parce qu'il a fait un déplacement pour le Chili. D'accord. Tu sais que tout n'est plus comme tu as laissé. Hein? Ah. Beaucoup de choses ont changé au Ghana. Ah bon? Ah oui? J'y serai. T'inquiète. Ma copine. Je m'impatiente. Dépêche-toi. Ça va arriver, ça va arriver. Bientôt. Bien. Et pour l'article? Oh, l'article, grand-mère, pour ton petit-fils de fille de Marciane, bien sûr. Ok. Tu te lèves et tu me suis. D'accord. Hé, hey, Daddy. Ah, ma petite fille. Sois la bienvenue. Je ne croyais pas te trouver à la maison. Tu n'es pas là au culte. Ma petite fille. Je ferai plutôt la messe du soir. Je t'attendais même ici. Ta situation de célibat m'inquiète davantage. Pourquoi tu ne peux pas te marier, Perla? Toi aussi, grand-père, vais-je épouser un homme? M'as-tu proposé un, je n'ai pas pris. Je suis juste venu te donner ton repas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ma petite Perla, tu es la seule personne qui me reste sur cette terre. Il faut que tu te trouves une situation de vie convenable. J'y pense, Daddy. Comment va ton mal de cœur? Ma petite fille, mes médicaments sont déjà presque finis. Je comptais t'appeler aujourd'hui pour t'en parler. Ce n'est pas grave. Je te laisse tout à l'heure l'argent à mon épargne. Dieu soit loué. Sois bénie, ma fille. Amen. Allons à l'intérieur que je te serve à manger. Merci beaucoup, ma fille. Comment cette fille peut faire le repas et ne pas me servir? Perla? Perla? Alfred? Alfred! Oui, madame. Ouais, Perla. Je ne sais pas, madame. Ça fait plus d'une heure qu'elle est sortie. Comment ça, elle est sortie? Pour aller où? Aucune idée. Comment ça, aucune idée? De toutes les façons, elle reviendra me trouver ici. Tu sors d'où? Je t'aime. Tu étais où? À la boutique du coin. C'est la boutique du coin qui te donne ton salaire à la fin du mois? Non, madame. Tu m'as servi à manger avant d'aller à la boutique du coin? Non, madame.
Retourne dans la cuisine. Non, madame, non, madame, non, madame. Madame Anderson, je suis vraiment très fière de vous. Vous prenez soin des bébés. Ils vont très bien. Les bébés. Les bébés. C'est ce que vous venez de dire. Ah, pardon. Je voulais dire que le bébé se porte bien. Attention. Restez concentrée sur votre travail. Vous savez, ce sont les problèmes de famille qui me fracassent. Mais non, vous devez faire la part des choses. Ok, ne vous inquiétez pas. Allons voir le docteur, il a quelques consignes pour vous. Elle ne perd jamais, jamais Madame Anderson, merci, bravo. Si vous suivez toutes ces consignes, tout se passera bien. Merci, docteur. Je suivrai toutes ces consignes à la lettre. Merci. Passez mes salutations à votre époux. Je n'y manquerai pas. Bonjour. Excusez, madame. Docteur William. Maître Ayar. Docteur William. Comment vous allez? Très bien. Comment vous vous portez après 8 mois de process? Très bien. Vous venez de bousculer la cible. Ah bon? Mais pas mal du tout. Elle a enceinte des jumeaux, mais ne sait pas. Quelle idiote. Figurez-vous que c'est par rapport à elle que je me suis arrêtée ici. Pour savoir comment les choses avancent. Me voilà rassurée. Je vous laisse travailler. Merci. Vous passez une excellente journée. Je vous raccompagne. C'est très généreux de votre part. Oui, docteur William. Oh, elle a découvert notre secret.
Oui, Perla, ma bonne là. Ai-je réellement vu quelque chose? Ou je rêve? Qu'est-ce qui se passe? Tiens. Ah, merci. Excuse-moi, je viens de finir ce que j'ai commencé à la cuisine. Toi aussi, Bianca. Avec ton état, toujours en train de tout faire. Mais le médecin ne m'a pas interdit de travailler. Mais pourquoi ne pas embaucher une femme de ménage? C'est au programme. C'est juste qu'on le néglige un peu. Un instant, ma mamie est en train de brûler. D'accord. Cornelia. Attends-tu. S'il te plaît, viens. Dépose ce verre à la cuisine. Donne-moi la télécommande. Ça, c'est quelle mentalité, ça? À qui t'adresses-tu de la sorte? Suis-je ton égal? Papa dit qu'on est ça, puis la télé, quand les gens voient. Hé, hey, ma belle, j'ai fini. Enfin. Mais on dirait que ton ventre a pris beaucoup de volume. À ce période de ta première grossesse, tu n'étais pas comme ça. Tu n'es pas sûre que ce sont les jumeaux que tu portes, c'est aussi. Et toi aussi, tu exagères. Tu parles là comme Fabien. Jumeaux, que qui va porter ça? Comme si ça pesait. T'inquiète pas, ma belle. L'échographie a révélé que j'attends un garçon. Et son père est d'ailleurs ravi. Et tu sais que généralement, les garçons donnent du volume au ventre, non? Ah, ça, tu as raison. Quand j'avais la grossesse de Yohan, mon ventre évoluait presque de la sorte. Dieu donne Yohan accouche seulement. Où est qu'on est là? Je crois qu'elle est dans sa chambre. Ok. Je vais la chercher et on passe à table. Ok. Perla? Perla? Oui, madame. Ma petite Perla, comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, madame.
Qu'est-ce que tu as prévu pour le souper? Je fais le bouillon de mâchoire avec ma cabot et du plantain. Waouh! Tu ne cesses de me gâter ces jours-ci. Et toi qui ne manges pas les tubercules, là, tu as prévu quoi comme complément pour toi? Un peu du riz? Non, madame. Comment ça, non? Tu dois te mettre à l'aise quand tu travailles pour moi, Perla. Et si le bouillon ne te convient pas, n'hésite pas à faire autre chose pour toi. Ok? C'est compris, madame. Demande également à Alfred ce qu'il aimerait manger. C'est compris, madame. Ah, j'oubliais. Comment se porte ton grand-père? Madame, son mal de cœur persiste. Oh là là, c'est sûrement dû à toutes ces cigarettes qu'il consomme. Tu dois beaucoup t'occuper de lui, Perla. Demain après le repas, tu iras lui rendre visite. Je te remettrai un paquet pour lui. Merci infiniment, madame. J'ai également dans ma panerie beaucoup de vêtements qui pourront aller. Je te les remettrai demain matin, ok? Demain, tu iras également chez le coiffeur. Question de remettre ses cheveux à jour. Merci infiniment, madame. Que Dieu vous bénisse. Tu n'as pas besoin de t'agenouiller devant mon père. Il te bénisse aussi. Est compliquée. Nous devons faire recours à une césarienne. Césarienne? Mais cela n'a pas été prévu durant les visites. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Anderson, je ne peux rien vous expliquer à présent. Nous devons l'opérer le plus vite, c'est le mieux. Qu'est-ce que je dois faire? Faites asseoir la caisse. Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun, nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance. Suprême qui soutient ma foi.
Tu as quel niveau avec la cuisson? C'est presque prêt, madame. Dépêche-toi, Azaf ne va pas tarder à arriver. Et la salade de fruits? Au frigidaire, madame. Et le docteur William, il a appelé pour confirmer sa présence? Oui, madame. Il vous prie de l'excuser car il est en déplacement. Regarde qui sont. Qui était-ce? Maman Chantal. Et elle est où? Au salon. D'accord, je vais la rejoindre. Dépêche-toi. Il est déjà midi et après le biberon pour Ophélia. Surtout, n'oublie pas de changer sa couche. Et arrête de picher un tas d'ail parce que je sais pas ce que tu vas faire avec tout ça. J'ai compris, madame. Ta famille t'a rejeté, mais tu ne trouves ton bonheur. Tu rentres dans la porte, Bonjour bébé. Oh, content de te revoir. Moi aussi. Bienvenue. Papa. Papa. Alors chérie. Oh mon amour. Ma prunelle. Tu la prends pas dans tes bras. Non, pas tout de suite. Allons-y à l'intérieur. Je suis très fatiguée. Ophélia. Ophélia. Elizabeth. Yes, madam. Here you have 5 black shirts. Yes. 3 green. 3 white, 2 yellow. Are you finished with the shoes? Yes, madame. Ok. Maman, comment tu vas? Je vais très bien, mon petit bout de chou. Lisbeth. Yes, madame. Please apologize us. We will continue after. Ok, madame. Je suis venu pour qu'on discute. J'espère que tu t'es bien reposé depuis ton arrivée. Oui. Mais cette situation me préoccupe beaucoup. Laurie est un mystère. Mais Azaf, de quoi parles-tu? D'Orphée. Mais je croyais que tu avais déjà tourné la page. Tourné la page? Oui. Mais tu ne comprends rien. Par rapport à ton voyage sur le Ghana, je ne voudrais pas que tu y restes. Parce que j'ai besoin de ton soutien. Non. Je n'y resterai pas. Mais Azaf, tu dois comprendre que tu n'es plus un enfant. Et savoir affronter tes problèmes sans toujours compter sur moi. D'ailleurs, tu es l'aîné de cette famille. Même comme tu te comportes le plus souvent comme si tu étais le Benjamin. Tu sais bien que ce n'est pas vrai, maman. J'ai toujours résolu mes problèmes seul. Mais Azaf, c'est justement ce que j'attends de toi. Que tu te comportes comme un homme. Et surtout, que tu saches t'imposer. Tout à fait, maman. On peut parler d'autre chose maintenant? Bien sûr, mais on va à l'étage. D'accord.
Laurie? Hein? Qui est-ce que tu es? Comment ça, qui est-ce que je suis? Réponds. Je suis maître Aya. Née Aya Laurie, épouse d'Azaf Peterson. Qui est-ce que tu es, Laurie? Qu'est-ce qui t'arrive? Et c'est quoi cet interrogatoire? En plus, tu vois très bien que je suis en train de conduire. Qui est Orphelia? Cette conversation m'agace. Tu es en train de délirer ou quoi? Certainement pas. Je sais qu'Orphelia n'est pas ma fille. Pourquoi tu dis ça, Azaf? Tu sais très bien qu'Orphelia est ta fille. Ton attitude me surprend beaucoup. Madame l'avocate, vous pourriez dire la vérité au moins une fois dans la vie. Monsieur serait-il en train de perdre la tête? Madame Aya Peterson, je suis stérile. Je sais que tu l'es aussi. Ah chérie, les collègues se plaignent de toi, du fait que tu ne sois pas au club tout le temps. Ce n'est pas facile avec les enfants que tu vois. Et mon mari est en déplacement. Mais tu devrais faire un effort. Elles disent que tu te prends beaucoup la tête avec ton nouveau poste. D'accord, on laisse parler les gens. Loïc? Loïc? Attends-tu. S'il te plaît, apporte-moi un verre d'eau. Oh, oh, non. Loïc est trop maladroit. Attends. Cornelia! Oui, maman? S'il te plaît, apporte un verre d'eau à maman Jessie. Vous troublez mon sommeil pour l'eau? Loïc est là-bas, il fait quoi? Toi-même, tu fais quoi? Et elle? Ma belle-mère. S'il te plaît. La belle-mère de qui est? Alors vas-y, apporte de l'eau à maman, je t'en prie. D'accord, mais à condition que tu me donnes plus d'argent de poche et plus de goûter demain en allant à l'école. Ok. Marché conclu. Blanca! C'est quoi ça? C'est comme ça que tu éduques tes enfants? Vois-tu la manière avec laquelle elle s'adresse à toi? Hey, tu sais que mes enfants sont très délicats. Je les gronde presque jamais. C'est pas sérieux! S'il te plaît, calme-toi. Me calmer de quoi? C'est pas sérieux. C'est quoi ce comportement? Tu m'as trouvé en train de visionner. La ferme, je suis ton aîné. Et puis, ce n'est pas raisonnable. Papa avait déjà interdit ça. Droit de naissance. Droit de naissance, mon œil. Remets-moi la télécom. Hey. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Loïc. Il t'a dit. Qui a-t-il? Quand il m'a frappé. Cornelia? Oui. Oui, qui? Oui, Tanti. Pourquoi tapes-tu sur ton front? Il m'a froissé. Est-ce une raison suffisante pour le battre? Allez, excuse-toi immédiatement. Jamais! Quelle insolence! Quelle désobéissance! Allez, mets-toi à genoux! Même mon père ne me met jamais à genoux.
Excuse-moi, s'il te plaît. Tout ça, c'est à cause de Fabien. C'est lui qui passe les journées avec eux. Alors, c'est pas possible. Loïc, calme-toi, ok?
ça. Non, maman, ne dis pas ça. On t'appellera le plus régulièrement possible. Oui, maman. La vie n'est pas facile de l'autre côté. Vu la situation, nous ne pouvons pas nous offrir le luxe de t'y amener. Ici, tu as Ingrid. Il pourra bien s'occuper de toi. Ingrid, si seulement c'était un homme. Hey, maman, attention. Je mène ma vie comme bon me semble. Ok? Mais monsieur, tu peux me parler comme tu veux. N'est-ce pas, je suis devenu ton égal? C'est toi qui l'as cherché. Et calme-toi. Respecte au moins la mémoire de notre frère. Qu'est-ce que tu comptes faire alors, maman? Azaf et son épouse nous ont quittés. Ce que je pense faire, c'est hypothéquer tous les biens et m'installer définitivement au Ghana. Ça, c'est une bonne idée. Avec maman Pauline et Ophélie à tes côtés, tu t'iras mieux. Quelle Ophélie? Hein? Notre situation est instable là-bas, maman. Donc nous ne pouvons pas prendre Ophélia pour le moment. Je pense qu'il faudrait que tu l'amènes au Ghana. Non! Cette gamine n'est pas de ma lignée. Cet enfant n'est pas de Azaf. La vérité, c'est que... Mais parle, maman! Mon fils était stérile dès sa naissance. Mais Chantal, qu'est-ce que tu racontes? Oui, Pauline. C'est la vérité. C'est un secret. Cet enfant n'est autre que le fruit de la tricherie de sa dévergondée de mère. Regarde, maman. Qu'est-ce que tu es en train de faire? T'as perdu la tête ou quoi? Ne connais-tu pas les manières les plus douces pour annoncer la nouvelle? Mais c'est pas croyable! Mais c'est pas croyable, maman! Ophélia! 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 Ton feu, fils, c'est toi. Vous avez gardé ses secrets. Et le feu, Léic. Tu t'es mis un seul instant à sa place? Tu n'es qu'une salope. Je ne lève pas les bâtards. Mais Chantal, arrête de dire des bêtises. Pas de bâtards chez moi. Dans ce monde, chacun a une histoire. Parfois difficile à croire, mais on n'a point de choix. C'est l'histoire d'Ophélia, enlevée depuis la naissance et privée de l'amour de ses pauvres parents dans la vie. Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance.
enfants, seuls ses parents comptent vraiment. On ne vit qu'une fois et tout se paye ici-bas. Quand on fait du mal à l'enfant, c'est là. Bonjour, Daddy. Ma fille, que s'est-il passé? Grand-père, aide-nous d'abord à mettre le sac à l'intérieur. C'est une longue histoire. Je ne comprends rien, Perla. C'est quoi ce cirque? Azaf et Laurie sont morts. Quoi? Comment ça? Il y a de cela 2 semaines, de suite d'un accident de circulation. Incroyable! La terre s'y engloutit des bonnes choses. Qui est cette fille? Daddy. Ma petite princesse, tu dois avoir soif, n'est-ce pas? Oui, tante. Va à l'intérieur dans mon sac noir. Tu prends le jus, tu bois. Merci, tante. La fille de mon ex-patron, que sa famille a rejetée disant qu'elle n'est pas de leur sang. Comment ça? Laurie ne l'a pas conçue avec Azaf. Ha! Et comme tu es mamie bon cœur, tu l'as prise avec toi. Tu es vraiment ma petite Perlita. Comment elle s'appelle? Orphelia. Orphelia. Ok. Vous devez être fatigué. Allez vous reposer à la maison. Malgré ces douleurs. Pasteur Mathias, nous avons déjà rassemblé tous les éléments pour le baptême des enfants et n'attendons que le jour J. Ok, c'est parfait. J'espère que pour votre problème la dernière fois, vous continuez à lire les psaumes 23 et 91 comme je vous l'avais prescrit. Oui, pasteur. C'est moi-même qui dirige les prières. Excusez-moi. Mais Fabien, tu es trop absent au culte. C'est madame qui est tout le temps avec les enfants. Merci, pasteur. Aidez-moi à tirer ses oreilles. J'ai déjà trop parlé. Pasteur, c'est le boulot. Vous-même, vous connaissez les patrons africains qui occupent les employés, même le dimanche. Fabien, est-ce cette réponse que tu donneras à Dieu quand il te posera la question? Fais très attention. N'oublie pas de me donner les dossiers des enfants à mon départ. Pasteur, quand je vois les enfants se baptiser, ça me donne l'envie de me rebaptiser, hein? Fabien, le baptême ne se prend qu'une fois dans la vie. Mais chérie, on ne peut pas converser 2 secondes avec toi. Tu es en train de faire les va-et-vient. Je suis en train de cuisiner. Il faut bien que le pasteur Mathias mange avant de partir. J'ai entendu dire une fois que vous cherchez une ménagère. Êtes-vous toujours dans le besoin? Ah non, pasteur. Ce n'est plus d'actualité. Je me débrouille très bien. Pasteur, vous avez une sous la main? Parce qu'il en faut pour cette maison. Blanca travaille beaucoup. Chérie, ce n'est pas nécessaire. Excusez.
Oui, j'ai une petite sous la main. Pasteur, je l'embauche. Je passerai à votre bureau demain pour que vous me la présentiez. D'accord. On ne vit qu'une fois et tout se paye ici-bas. Quand on fait du mal à l'enfant, cela retombe sur les nôtres. Et on a tendance à dire que Dieu ne nous aime pas. C'est l'histoire d'Ophélia. Ah. Tiens, ma princesse, c'est ton repas. Du tapioca. Je ne peux pas manger ça. S'il te plaît, mange, mon amour. C'est tout ce qu'on a pour le moment. Je ne peux pas manger ça. Je veux mon papa. Je veux ma maman. Car cette tristesse que cette femme ressent, nul ne peut changer. L'histoire d'Ophélia. Bella, ton sac est prêt? Oui, grand-père, tout est prêt. Parce que d'un moment à l'autre, le monsieur chez qui tu vas travailler viendra te chercher. Ah, il est là. Bonjour, monsieur Fabien. Bonjour, papa. Pourquoi vous avez beaucoup duré comme ça? Vu que la route était mauvaise, j'ai dû garer avant le pont. Je peux partir avec lui. Non, Tantine, je ne vais pas avec toi. Ma petite princesse, je reviendrai te chercher. Non, je ne vais pas avec toi. C'est quoi le problème? La petite ne veut pas rester seule. Amène-la avec toi. Merci, papa. Je vais faire son chat. Merci, monsieur. Pas de quoi. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, maman. Qu'est-ce qui ne va pas, ma grande? Malgré la gentillesse de M. Fabien Anderson et son épouse, notre place dans cette maison, c'est à la cuisine. Pendant que je fais la vaisselle, toi, tu restes à mes côtés. Comme tu peux bien le remarquer, nous ne sommes pas dans l'autre maison. Je sais que ce n'est pas facile. Surtout quand tu vois Cornelia et Loïc accrochés à leur maman. Mon amour, je peux te promettre une chose. Je serai toujours là pour toi. Mes parents me manquent.
Quand est-ce que je vais la revoir? C'est compliqué. Viens dans mes bras, ma princesse. Et mon cœur. Ma mère me manque. À moi aussi. Ressaisis-toi. Ta maman ne viendra plus. Merci beaucoup, tante. Maintenant, au boulot. En face de la capitaine. Wow! Quelle complicité. Bonjour, monsieur. Bonjour, papa. Ta fille est vraiment extraordinaire. Vous vous sentez à l'aise ici? Plus que ce qu'on l'imaginait, monsieur. Ok, ça me rassure. Nous sommes déjà comme une famille, étant donné que nous vivons dans la même maison. Pour cela, j'ai décidé de scolariser Orphelia. Elle ira à l'école avec les autres. Tu devras me donner son dernier bulletin et son certificat médical. Merci infiniment, monsieur. Merci infiniment, papa. Allez, relève-toi. Allez, je vous laisse. Oui, je vais dans la repas. Chut. Hé, hey, que fais-tu là? Petite morveuse, c'est à toi que je m'adresse. Qui t'a admise sur ma table et auprès de mes enfants? Mais maman, elle mange comme nous autres. Hé, hey, ferme ta bouche! Je ne t'ai rien demandé. Tu ne parles pas. Et papa? Quel papa? Il y a ton père dans la maison-ci. Fabien! 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 Mais que se passe-t-il? Pourquoi cries-tu mon nom de la sorte? On dirait que tu as vu un fantôme. C'est plus qu'un fantôme. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qui? Orphelia? Oh, son nom ne m'intéresse pas! Tu l'as vu en train de faire quoi? Faut pas souvent déranger pour rien, hein? Ça se passera pas comme ça. Hé, peste de yeux.